tous et à toutes, c'est Caro Gaming TV. On se retrouve pour un let's play sur le jeu Pro Gamer Manager. Donc nous allons jouer en... Donc vous avez vu, j'ai déjà des parties, j'ai déjà testé. Donc nous allons recommencer une partie. Donc le mode manager, j'ai essayé, hein, comme je vous l'ai dit, mais bon, on va se concentrer sur le mode carrière. Donc on va créer notre personnage. Team. Oui, donc les noms sont pas très recherchés, je précise direct. Alors en nom, évidemment, je vais pas me donner. Enfin, on va faire. Ah, j'en vais mettre 18h parce que c'est le minimum qu'on puisse. On va mettre français et on va continuer. Alors, donc là, il nous demande de choisir sa personnalité. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Parce que les autres, après, j'ai regardé un peu sur les sites et tout. Enfin, c'est. C'est t'as plus de. C'est plus. Enfin, ça, c'est le choix le plus facile. Un des choix les plus faciles. Donc, c'est ce qu'on va prendre pour commencer notre let's play. Donc. On va choisir, donc l'écran d'après, on aura le choix soit d'avoir de jouer en MOBA ou en. Attends que ça charge. Enfin, je vais vous faire, on va choisir ensemble. Enfin, je vais choisir. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez choisir entre un MOBA ou un shooter. Shooter, j'ai pas dit, donc c'est soit un FPS ou un FOBA. Donc personnellement, je connais pas trop, enfin, la gestion sur l'FPS, mais plus sur le MOBA. Donc, courrier, donc ici il y a le courrier avec la boîte aux lettres. Ici, les points de, on va dire, les points de recherche, le nombre de fans et l'argent. Ici, nous avons la barre d'énergie, donc quand elle est vide, et, ben, il faut dormir, et la barre de rage. Donc la barre de rage, en fait, elle monte en fonction de si tu gagnes ou tu perds une partie, si tu dors ou si tu regardes des streams d'autres personnes ou que tu en fais un toi-même, parce qu'on peut streamer pour gagner des crédits. Donc la rage montera au fur et à mesure. Donc pour commencer, voici le menu. Donc on peut jouer soit regarder un stream, aller au lit, afficher les recherches, le profil, les talents qui sont, comme c'est marqué, comme ils sont, qui ne sont pas encore disponibles, la carrière, la maison ou les sport news. Donc le profil, on va regarder, hein. Donc au début, on est mis d'office en tant que heal. Donc on est dans rang bronze, et puis vous pouvez voir le playstyle, le focus, le knowledge, pardon. Et ici, nous avons les best champions qui, pour le moment, nous n'en avons pas. Donc on va commencer direct par jouer. Donc il faut sélectionner son champion. Donc vu que nous sommes heal, enfin, on est en mode défense plus heal, donc soutien, on va dire. On va prendre. Enfin, c'est ça, nous sommes un support. Voilà. Je cherche le nom support. Donc voilà, donc on peut voir. Enfin, c'est un peu comme les choix sur, par exemple, League of Legends. Hein. Donc bon, après les persos, enfin, il n'y a pas grand chose, je sais pas encore, mais il n'y a pas grand chose qui change. Donc on va choisir nos stratégies. Donc on va prendre normal, en mode protection de la front lane, si j'entends. Donc protéger le front, quoi, en gros protéger ceux qui attaquent. Et nous allons mettre ceci. Hop, donc on commence. Donc la barre ici, plus c'est haut, plus on a de chance de gagner. Si je me trompe. Donc ici nous avons le temps. Et de temps en temps, voilà, on peut gagner soit des points, quelques petits points. Donc là on a gagné, hein, on a gagné 53 000 à 3000. Donc ici nous avons un spectateur qui parle. Puis là on peut voir la première phase, la phase du milieu et la fin, enfin la dernière phase. Donc ouais, on peut voir mon champion avec K qui est kill, D death et A assistance. Assistance. Donc on peut voir que mon champion a eu un impact médium et le reste a eu un très bon impact. Donc voilà, donc on peut voir comment c'est passé, hein. Notre équipe a fait le premier 100, on a détruit la première tourelle de tier 1,
On a tué le premier gardien d'or, je suppose. Donc l'ennemi a fait le premier, a gagné le premier bataille en équipe. Nous avons détruit, pareil, le tier 2. Nous avons, alors celui-là, je sais pas trop ce que c'est. Nous avons fait le premier base siege. Enfin, je connais pas trop encore ça. Puis nous avons, bah, finalement gagné. Donc on peut voir que le meilleur joueur c'est notre équipe, c'est l'ADC, et que le meilleur farmer, bah, c'est le top laner. Puis on voit que l'ADC en face, bah, c'était le pire. Donc voilà, donc j'avais pas montré, mais on a gagné 7 points de recherche et 21 fans. Et comme vous pouvez voir, vu qu'on a gagné, notre barre ne monte pas et l'énergie a descendu. Donc au début, ça va être répétitif, hein, ça va être toujours la même chose. Donc choisir champion, faire la phase, donc juste attendre pour se développer un petit peu. Donc je le garde toujours moi-même, hein, parce que c'est la meilleure fin que j'ai fait dans mes autres parties. Donc là on gagne un peu de points, hein, donc là c'est bien, on en a gagné pas mal. Des fois je sais que j'en gagne pas du tout. Puis voilà, nous avons encore gagné. Donc là bon c'était un peu moins. On a gagné de justesse, hein, parce que vu qu'on n'a pas fait grand chose non plus, et que tout est de l'ennemi. Puis que l'impact a été un peu bas. Donc je pense faire des épisodes d'une vingtaine de minutes à chaque fois. Donc notre but évidemment ça sera de faire partir. Alors je sais que, enfin je sais qu'après on peut passer avec les recherches en mode organisateur, enfin être à la tête justement d'une équipe. Mais on va essayer de faire partir d'une équipe et d'être le meilleur de son équipe. Donc voilà, encore j'ai gagné 24 fans, 9 points de recherche, j'ai passé un niveau en focus. Donc on va aller voir ça. Donc alors je sais pas trop encore à quoi, enfin si ça change quelque chose de mettre plus ou moins. Donc je sais déjà que je mets dans le teamwork. Ensuite je mets dans la communication pour le focus. Pour la plastique, enfin, c'est plus technique et mécanique. Après je sais pas si c'est le meilleur truc à faire. Et ici je mets plus dans le team fight et après la line phase aussi c'est un peu, enfin surtout ça. Donc on continue, on prend toujours le même. Toujours la même mentalité. Donc là je pense qu'on va passer un niveau en playstyle, voilà, comme là, et un knowledge. Ah voilà, donc nous avons perdu, hein. Donc quand on perd, enfin quand on gagne 2 points de différents trucs, de ces différentes enfin, de capacités. Et quand on perd, on gagne que 1 et pas forcément de tout. Donc voilà, comme vu qu'on a perdu, on n'a pas gagné grand chose. Vous voyez comme l'overall est très bas. Et donc voilà, on a vraiment perdu. J'ai fait un kill, enfin voilà, bref, j'ai fait un kill et 11 morts. C'est pas non plus. Et vous voyez comme on a perdu, la rage a augmenté. Alors, on va regarder. Donc ça, c'est le menu Foba TV, donc c'est comme Twitch. Et donc, nous avons les différents joueurs de la Pro League, donc les meilleurs, on va dire. Qui ont un rôle de heal. Et donc on peut voir le salaire qu'ils se font. Moi je regarde pas trop ça. Hein. Les champions qui savent très bien jouer, enfin avec lesquels ils jouent bien. La mentalité, donc s'ils sont défensifs, balance, enfin les deux ou agressifs. Donc moi je suis plus ben, les deux. Puis ici nous voyons le niveau, le pays. Puis regardez. Donc moi je vais regarder plus celui qui est en défensive parce que j'ai exactement le même perso. Pour permettre, je vais essayer de regarder si ça change. Enfin, je suis pas trop sûr, mais je pense que on peut gagner plus de points. Donc, on n'en gagne pas beaucoup, mais on prend plus. Voilà, nous avons passé un niveau. Voilà. Donc, profil. Donc, comme j'ai dit, je mets dans la bataille d'équipe. Et nous allons dormir. Donc, voilà. Notre premier jour. Vient de passer, nous finissons avec 56 fans et 22 points de recherche. Donc pour commencer les streams, il en faut 50. Mais bon, les streams, c'est pas non plus ce que je vais prioriser.
Puisque si nous rejoignons comme ici, que je vais faire maintenant une team, nous gagnerons bah, évidemment un salaire et on gagnera un salaire, ce qui nous permettra de payer les différents événements qui se passeront tout au long du jeu. Voilà, on a encore perdu, donc on a un point de chaque. On a toujours aussi mauvais. On a fait quelques trucs, mais bon, on s'est fait battre vraiment. Et là, j'ai rien gagné. Vous pouvez voir ni point de ni fan ni point de recherche. Donc ensuite, enfin, dans les recherches, j'ai pas fait montrer. Donc on peut choisir de changer de rôle, enfin de se focus exclusivement sur un rôle. Donc en gros, on pourra soit changer, soit redevenir, enfin continuer dans heal. Learn spécialité, donc j'ai essayé, j'en ai déjà pris quelques-unes, mais je ne sais pas trop encore trop à quoi ça sert. Et le streaming, donc, il faut aussi 250 fans hein, pour pouvoir. Donc on va choisir un rôle. Donc là il étudie, donc ça monte à 100, on choisit, puis on refait un tour. Donc je sais que sur ma partie que j'ai supprimée tout à l'heure, j'ai joué en tant que top laner. Donc là on va continuer en support, hein, parce que vu qu'on a déjà commencé, puis que je sais un peu comment, enfin je sais la mentalité qu'il faut jouer avec, même si là que le top laner je sais aussi, mais bon. Donc là vu qu'on a changé, il nous raffiche un peu notre truc, et je crois qu'on a gagné, je ne suis pas sûr, hein, mais gagné un point de playstyle, à part si on l'a déjà fait, de playstyle, à part si on l'a déjà fait avant. Je vais mettre ça dans la technique. Donc vous voyez que la rage du compère est toujours là. Donc je précise que les champions qui sont marqués bannis ne sont jamais ceux qu'on choisit. Enfin, perso, quand je dans ma partie avec mon top laner, bon, mes deux persos avec lesquels je jouais, enfin vu que j'en avais un deuxième, parce qu'on pourrait en avoir 6. Donc on en a gagné, on les a bien laminés. Donc moi ouais, évidemment ça on peut voir qu'ici c'est que c'est certains membres de l'équipe qui le font. Je sais que en tant que heal, enfin en tant que support, on apparaît pas souvent ici parce qu'on est support. Mais ça m'est déjà arrivé en top laner d'apparaître en best farmer ou de faire le premier kill ou. Ça m'est déjà aussi d'être le plus nul. Donc on va continuer. Donc au début c'est vrai que comme je l'ai dit c'est souvent répétitif. On fait toujours la même chose, on recommence. Donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment, voilà. Enfin je conseille pas trop ce jeu là comme au début hein, pour ceux qui sont pas patients. Ou qui voilà veulent un jeu complet, parce que vu qu'il a toujours un accès anticipé. Donc là on a gagné. Donc là on a gagné que de quelques points. Enfin ça dépend, des fois on gagne plus ou moins. Donc voilà, donc moi j'étais le meilleur joueur de la partie. Et j'ai fait 3 kills pourtant, et 10 morts et 12 assists. Et pourtant on n'a pas gagné à grand chose. Mais ça c'est souvent aléatoire. Donc deuxième jour, enfin troisième jour plus précisément. Donc évidemment, donc on a toujours pas, on recherche toujours, mais je pense qu'au prochain jour ça sera bon. Donc on va continuer, on fera la même chose. Donc choisis celui-là, c'est parce que c'est un heal et puis que bon voilà, le premier qui vient sous la main. De toute façon, enfin je sais pas trop pour le moment les persos. Ils ont quelques. Enfin, je vais vous montrer après, mais. En tant que si on choisit un perso spécifique, il n'y a pas de caractéristiques en soi. Voilà, on a encore gagné, j'ai monté de niveau. Bon, il m'arrivera peut-être des fois d'oublier de passer les points de caractéristiques. Hop. Ah, donc là, il y en a 2 points, je mets un peu en mécanique aussi. Donc voilà, donc on peut voir ici les différents types. Il y a le chaser, le burst, l'utility, le heal, le tank et le soutien. Et vu que je suis en tant que support, je peux jouer soit en tant que soutien, en tant que healer ou utility. Donc on peut voir que ça change en fonction plus ou moins des persos. Donc
Que j'avais déjà essayé de jouer avec celui-ci, mais je donnais moins bon résultat. Donc je pense que là on va finir cette journée, je passerai à demain pour vous faire montrer un peu la team, comment ça se passe. Puis, voilà, on a perdu. On peut jamais. Enfin, j'ai jamais perdu de points de recherche ou de fan en perdant. Ça m'est jamais arrivé. Donc en fait, permet de. Enfin là, je joue juste avec un choix aléatoire de personnages, mais après, je pourrais me spécialiser dans certains champions. Et en gros, enfin c'est ça, c'est plus tu fais de game avec, plus du jeu, de partie, plus tu fais. T'as de chances de faire des bons matchs. Bonne partie, et surtout que comme après voilà, t'as plusieurs champions, tu les maîtrises en gros, et c'est utile pour qu'on a encore perdu. Voilà, j'étais le plus nul cette fois-ci. Bon, ça arrive. Je crois que j'ai. Non, j'ai pas. Ah si. Donc voilà, on a 35 points. Je vais faire mon trisque spécialisé dans un master. Enfin, voilà, le master champion. Ça va ouvrir un nouveau type de jeu en fait, où c'est. Là, c'est comme si avant vous jouez avec des. Enfin, avec des persos gratuits, et là, on se spécialise dans un champion pour faire des games. Voilà, avec un seul champion. Donc voilà, donc là il nous fait montrer maintenant notre champion. Donc plus la barre sera haute, enfin là elle est vide actuellement, et plus elle sera haute, et il y aura aussi également un espèce de. Enfin je sais pas trop ce que c'est qui apparaît. Donc voilà, vu que j'ai étudié, j'ai perdu pas mal de ma barre de vie, de d'énergie, pardon. Donc là nous allons passer au troisième jour et nous allons également voir. Ah non. Bon, ça arrive que ça prend plus ou moins de temps. Donc je vais faire mon trade. Donc voilà, ici on peut mettre les conform pick avec notre champion. Donc là, ce serait plus. Enfin, je peux dire que c'est un peu plus difficile apparemment à gagner. Enfin, puisqu'on se spécialise dans des champions. Plus ou moins. Voilà, on a perdu, on s'est fait un peu laminer. Donc en fait voilà, je vous ai parlé des crédits qu'on peut en gagner en faisant des streams. Ces crédits servent juste à acheter de meilleures maisons. Alors sur les autres parties, je ne suis jamais allé acheter les autres maisons, je ne sais pas trop encore à quoi ça correspond en fait. Si on joue mieux, si il y a plus de trucs, je ne connais pas du tout. Ou si c'est juste pas faire montrer que bah voilà t'as du pognon et c'est tout. Donc je vais essayer vite fait de finir la journée pour essayer d'avoir une team pour faire montrer un peu plus comment ça se passe. Donc là on a gagné, on peut dire qu'on les a bien écrasés et que voilà j'ai eu un fort impact sur le champion, sur la mentalité, sur la lane phase et sur la team fight. Vous voyez, on les a bien explosés, j'ai gagné pas mal de trucs, enfin de points de recherche sur 12, que ça m'a déjà arrivé d'en avoir plus. Hop, on continue. Donc ça en fait c'est pour se spécialiser dans le champion. C'est comme je vous ai montré on était sur entre parenthèses Twitch, il y avait sur les sous les différents streamers, il y avait les meilleurs champions qui savaient jouer, enfin les champions qui savaient jouer quoi, qui étaient en mode master. Donc on a gagné. Donc on peut voir que notre top laner sur ce coup-ci a bien marché puisqu'il était le meilleur. Meilleur joueur, meilleur farmer qui l'a fait de tirs ici, et que notre et que par contre en face bah il s'est fait bien laminer. Donc voilà, donc ici c'est pour ça que là je vais regarder celui-ci puisqu'il est en mode comme moi,
Il joue en mode normal, enfin ni trop agressif ni trop défensif. Donc vu qu'il a mon même style de jeu, puis des fois en changeant de streamer, on gagne plus ou moins certains. On change plus ou moins de certains niveaux. Je sais que des fois quand je change de style de jeu, j'ai gagné plus ou moins de plus style pendant la partie. Donc là je vais m'endormir même s'il me reste un tout petit peu d'énergie. C'est juste pour essayer de vous faire montrer la team. Que je peux évidemment, voilà. Donc je gagnerai 100 376 crédits par week-end, enfin par semaine, pardon. Sur mon ancienne partie, mon premier contrat, c'était 5 000. Donc ils font de l'eSport League, hein, ça c'est normal. Donc après, donc soit je peux refuser l'offre, soit je peux accepter. Bon là, je vais l'accepter pour faire montrer. Donc c'est une team française. Et on peut voir les différents joueurs. Donc je suis actuellement un heal, enfin un support, il y en a déjà un autre, mais il est plus faible que moi, donc je risque de jouer à sa place des fois. Et surtout que voilà, Lys, entre parenthèses, c'est un étranger par rapport à la France. Hein, je ne suis pas raciste, mais voilà, il vient du Danemark. Donc on peut voir les différentes infos, hein, s'ils sont heureux, le type de. Le meilleur champion. Le meilleur type de jeu, le salaire, la personnalité, ainsi que la relation, l'opinion, et tous les plans pour le futur et tout. Alors ça, je suppose que c'est le chef et que celui-ci, c'est le, je suppose, le meilleur joueur ou... Je ne sais pas trop ça, le sigle. Je pensais que ça avait un lien avec les étoiles, mais pas trop. Donc on peut voir après, donc là, actuellement, je suis classé 53 602e. On peut voir enfin la squad, donc la team, et les différentes tactiques. Donc moi je suis celui qui initie les combats. Et c'est celui, lui, carry. Donc on voit un peu donc là on joue plus en mode défensif. Donc ça dépend après, plus ou moins. Et ici on peut voir l'avancement de ma carrière. Donc je peux payer plusieurs trucs, plusieurs types pour d'investissement, voilà. Permet de mieux m'évoluer. Donc on a un message. Alors des fois c'est aléatoire les messages. Donc je sais que c'est m'est déjà arrivé d'avoir par exemple où vous vous êtes fait mal à la main, donc vous avez moins de réflexes, ou vous avez chopé en ouvrant ce mail un virus. Donc voilà, toutes les l'énergie en gros elle retombe à zéro, on doit dormir. Enfin voilà. Donc sur ce, voilà, je vais sauvegarder devant vous. Donc sur ce, on va se retrouver pour le deuxième épisode plus tard de Programme Manager. C'était Core Gaming TV. Over.